Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Romain.live, Gertrude pour vous servir. Les amis, j'espère que vous êtes confortablement installés. Bonjour à vous les pilotes et futurs multijoueurs de Mario Kart Tour. C'est fait, regardez, je termine premier de la Ligue 19 et j'accède à la Ligue 20, la Ligue maximum de Mario Kart Tour. N'hésitez pas, c'est le moment où vous pouvez envoyer votre frénésie de pouce bleu. Et si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et mettez la petite cloche, ainsi vous serez notifié de mes prochaines vidéos et surtout de mon prochain live. Est-ce qu'il sera ce soir? C'est vous qui allez le décider. Dites-moi en commentaire si ce soir vous voulez un live pack opening Mario Kart sur cette deuxième partie de saison à Paris, les amis. Là, on découvre les petits cadeaux que j'ai reçus pour ce passage, cette victoire plutôt en Ligue 19. Et vous me voyez, donc j'accède à la Ligue 20, la Ligue suprême, la Ligue la plus haute du jeu. On découvre un peu ce qu'il nous raconte, l'Akitu, c'est fini pour ce classement, blablabla, ok, d'accord. Donc regardez, voilà, j'ai terminé avec 48 000 points, le deuxième était à 35 000 points, donc il n'a pas rejoué depuis la dernière vidéo. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est peut-être les défis qui vont apparaître, les défis de cette deuxième partie de saison de Paris. Oh, et c'est un badge qui est débloqué. Le badge atteignait la Ligue 20. Je suis dans la Ligue maximum de Mario Kart Tour, ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous êtes dans cette Ligue 20 pour cette deuxième partie de saison de Paris. Ensuite, je pense qu'on va gagner, comme d'habitude, des pièces d'or. Je pense que... Ah bah là, c'est 3 rubis, oui, bien sûr, pour ce badge. 150 pièces d'or, voilà, pour la ligne verticale, pour la ligne horizontale. Je pense que je vais avoir la diagonale. Et après, comme la carte complète des défis standard 2.3 sont faits, ça va être encore des... Ah non, c'est des rubis carrément, 15 rubis. Eh bien, ça fait plaisir. Et on a les défis standard 2.4 qui sont débloqués. Et regardez, obtenez 30 pilotes différents, je l'ai déjà, donc je récupère le badge. Ça, c'est bien cool. Est-ce qu'il y a un autre badge que je vais débloquer? Je récupère 3 rubis en plus. Je suis à 1043, mon Dieu. Le pack opening dans cette vidéo s'annonce énorme. Et voilà, j'ai remporté aussi, obtenu 40 cartes. Et ça, c'est bon, c'est fait. Je vais regarder vite fait quels sont les autres défis standard 2-4. Décrocher 500 fois la première place. Faites mouche 400 fois avec une carapace verte. Faites mouche 150 fois avec une bobombe. 1200 fois avec une banane. Renverser 3000 adversaires, c'est énorme. Atteignez le niveau 40. Bon, bah ça, j'y suis presque, je suis niveau 39. Atteignez la Ligue 30. Mais qu'est-ce que c'est de ça, les amis? C'est un bug? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut atteindre la Ligue 30? Moi, je pensais vraiment, on va vérifier tout à l'heure, mais j'étais persuadé à 2000% que Nintendo avait dit qu'il y avait 20 ligues dans Mario Kart Tour. Bon, bah ça, c'est la surprise, hein. Bon, dans les actus, voilà, ils nous parlent de cette deuxième partie de coupe. On va aller la regarder, justement. La coupe Yoshi, ok. On se regarde le classement, les amis. Je suis à 47 000 points. Je suis premier. J'ai beaucoup d'avance, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore forcé, mes adversaires. Mais si c'est ça, la Ligue 20, honnêtement, si moi, je suis à 47 000, autour de 50 000, je peux monter, à mon avis, en forçant à 55 000, et que mes adversaires sont autour de 20 000, je ne vais pas être hypé, les amis, hein. Là, il va falloir vite fait que le mode multijoueur sorte, hein. La prime, ok, 25 rubis, d'accord. C'est pas monté de ouf, hein, non plus, les récompenses, hein. Il nous avait dit que les récompenses montaient plus on montait en ligue. Je suis quand même en Ligue 20. Normalement, la Ligue maximum, encore une fois, je pense que c'est un bug, hein, cette histoire de Ligue 30. Je suis pas convaincu qu'il y ait 30 ligues dans Mario Kart Tour. On pourra le vérifier un petit peu après. Bon, en tout cas, là, on va découvrir, regardez les tuyaux. Ok. Et puis, il y a peut-être la boutique. Ah, regardez mon shop, comment il est. Il est assez particulier. Alors ça, c'est parce que j'ai un compte qui est bien monté en niveau, hein. Vous savez, j'ai bien secoué, j'ai bien frénésifié les tuyaux de Mario Kart Tour. Et du coup, regardez mon shop. Tous les jours, il est identique. Quand je dis identique, c'est qu'il est composé uniquement de tickets. Alors que ce soit des tickets d'amélioration, des tickets, tout type de tickets. De temps en temps, même j'ai des tickets presto, les amis. Et même des tickets ultra rares. En tout cas, c'est mon petit bonheur. Tous les jours, j'ouvre la boutique et je découvre tous les tickets qu'ils me mettent dedans. Et c'est vrai que j'ai plus jamais maintenant de cartes d'elle et de perso, hein. Bon, voilà, ça c'est fait, j'ai acheté ma petite boutique du jour, c'est mon quotidien, les amis, et là on va partir en secouage de tuyaux, on va tirer pas mal de tuyaux, j'espère avoir du tuyau doré, c'est parti, on clique. Donc on peut avoir Mascasse Pâtissier, le Carte Carotte et l'aile tricolore. Oh, c'est le tuyau doré pour commencer, ça fait plaisir, oh mon Dieu, ce pack opening, il commence très très fort. Qu'est-ce qui va me réserver? Bien sûr, là, mon objectif, c'est de récupérer, d'invoquer un maximum de Mascasse Pâtissier. Mais vraiment. Ok, de la Wendy. Je vais récupérer aussi énormément d'or, hein, vous le savez. Hein.
Bébé Daisy, c'est Max. Vous allez voir énormément de... Oh mon Dieu, la surprise ! Le Maxellaire qui vient s'incruster dans ce pack opening. Il voulait pas rester de côté. Il voulait pas rester en reste. Ok, du gold. Et je peux aussi choper... Oh ! Waluigi, ça fait plaisir aussi. Eh ben écoutez, c'est un pack opening qui commence très très fort. Hein. Ok, Elgoulette. C'est déjà Max, ça se transforme en or. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est de ce début de pack opening ? Mais non ! Mais non, c'est énorme les amis ! Oh mon Dieu, Mascasse pâtissier qui passe niveau 2, eh ben c'est la régalade sur ce début de pack opening. Mais vraiment quoi, oh ça fait plaisir. Mascasse pâtissier, je pensais vraiment pas le dégoter comme ça, l'invoquer dès la première série tuyau. Et c'est l'aile de Waluigi. On commence sur un pack opening spécial Waluigi là. Allez, on continue, ça va être encore du gold, ouais, je l'imaginais bien. Donc, je peux récupérer aussi comme ultra rare... Bowser Squelette, Mario de Métal, Peachette et Peach Vacancière hein, dans ce tuyau de Paris 2 là. Alors, bah justement là je vous le montre. Donc je sais que c'est écrit tout petit, je ne sais pas si c'est lisible pour vous. Mais en tout cas voilà, donc ça montre le pourcentage. Il y a donc en article en lumière ultra rare, on a Mascasse Pâtissier, Carl Carotte et l'aile tricolore. Et en dessous, en ultra rare, on peut débloquer... Bowser Squelette, Mario de Métal, Peachette et Peach Vacancière. Donc c'est vraiment un très très beau tuyau sur cette deuxième partie de saison. Oh mais non, mais le tuyau doré qui tombe et qui me coupe comme ça. J'étais en train de vous blablater là, tranquille. Oh mon Dieu, incroyable. Ce début de pack opening est monstrueux. J'ai déjà eu deux cartes ultra rares en un tuyau doré. Le parapente, plan de piranha, excusez-moi, qui est Max. Direct. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est de ce pack opening? Il est truqué ou quoi? Ok, de toute façon, des pièces d'or, ça on sait que je vais en avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ok, ça continue avec des pièces d'or. Et je suis en train de vérifier... Ouais, c'est Intrépide, Bitbolide, Maxellaire et Macaros Fraise et Butineuse que je peux récupérer en carte. Et en aile, c'est Swooper, aile d'or, aile nuage et crêpe aux fraises. Et on a déjà récupéré tout à l'heure Maxellaire, hein, qui fait partie des cartes. Ok, on récupère du gold, du gold, du gold, du gold, du gold. Et... Oh, l'aile tricolore qui tombe! Ah ben ça fait plaisir. Écoutez-moi, oh, ce début de pack opening est juste énormissime. J'ai une chance monstrueuse et ça fait plaisir. Hein. C'est pas tout le temps le cas. Hein. J'ai des pack opening où j'étais en PLS, ça m'est déjà arrivé. Et ben là, vous avez vu, c'était 10 tirs spécial L, les amis. Et beaucoup de gold, hein, comme d'habitude. On va tout simplement enchaîner. Mais non, mais c'est incroyable. Mais c'est truqué. C'est quoi? C'est une prank de BFA et Senor, les amis. Incroyable, mais qu'est-ce que c'est de cette prank? Ne me dites pas que chaque tuyau que je vais ouvrir sera doré. Ok, c'est du gold pour l'instant. Impatient de découvrir l'ultra rare que je vais débloquer dans ce tuyau là, dans cette série de 10 tirs. Oh, Ectoblast 4000 qui passe niveau... Ah non, pas qui passe niveau 6, je m'emballe là les amis. Mais en tout cas, qui avance vers son niveau 6. Du gold et du gold. Ça, vous savez que des pièces d'or, je vais en gagner des tonnes. Bébé Luigi qui se rapproche du niveau 6 aussi, qui a 3 sur 14 maintenant. Il y a encore du chemin à faire. Hein. Ok, maintenant c'est au tour de Roy. On continue. Mascasse qui se transforme en gold, 400 gold. Oh, Swooper, on en a parlé tout à l'heure. Je vous ai expliqué que Steinel qui était disponible. Et Swooper, elle passe niveau 5. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que regardez, vous avez vu, le pourcentage maintenant est à plus de 20%. 20% supplémentaire en frénésie, c'est monstrueux. Hein. Ok, on continue. Allez, du gold, du gold. Oh, Roi Bou, mais c'est incroyable. Mais ce pack opening commence, mais sur les chapeaux de roue, c'est de la folie pure. C'est de la folie totale, les amis. Oh mon Dieu, je suis impatient là. Allez, je reclique tout de suite. S'il est doré, là, j'arrête tout de suite. Ah non, il est vert. Ouf, ça me rassure. À un moment, faut pas... Sinon, c'était vraiment... C'était fake. C'est pas possible. Ok, on retombe sur du tuyau vert. Alors là, on va se faire du full gold. Hein. Je le sens... Oh mon Dieu. Là, le jeu va me punir. Le jeu va me punir. Oh, le parapente de BFA. Code BFA sur Brawl Stars. Hein. Koopa, ok. Oh non, non, non. Là, je sens que le jeu va me punir. Là, je suis en train de me récupérer un tuyau de 10 tirs full gold. Allez, pitié, au moins une petite carte, fais-moi plaisir.
Oh non, 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 non. On passe pas du pur bonheur de début de pack opening à la tristesse totale. Mais non, c'est du gold, du gold, du gold. Oh. Non, non. Ah là, il me faut... Oh mais non, c'est fait, les amis. Oh, mon Dieu, la tristesse. En plus, c'est du petit gold. Hein. C'est du 250, du 400. Allez. On se relance tout de suite sur du... Non, ce sera pas sur du doré, c'est sur du tuyau vert. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Ok, bon, on est parti pour du full gold encore, ça me fait peur. Oh mon Dieu! Oh la surprise! Ah bah là, ça fait plaisir. Le bolide, qui est niveau 2 donc, et qui se rapproche du niveau 3. Bolide d'ailleurs, qui est un carte que j'adore dans Mario Kart Tour. Allez, on continue. Ok, coupe à bolide, c'est du gold. Ok. Oh là 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 là, les amis, les amis! Oh, ça va être full gold, je le sens. On aura juste eu le bolide. Full gold. Je l'ai annoncé. Hein. Aïe, 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 aïe. J'essaye de mettre du rythme dans le pack opening, hein, que ce soit pas trop lent pour vous. Comme... Et j'enchaîne donc les tirs. Hein. Ça tire dans tous les sens, les amis. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Heureusement, on a eu le bolide. Sinon, c'était deux tuyaux d'affilée full gold. Et alors là, c'était la tristesse totale. Je pense que je... Oh non, il est vert le tuyau. Oui, je disais, je pense que je rage-quittais le pack opening. Hein, si je me faisais deux tuyaux, deux séries de 10 tirs d'affilée entièrement en pièces d'or. Bon là, ça repart sur... Ah non, Luigi, ça fait plaisir. Oh, il est content, il passe niveau 3. Ah bah voilà, ça c'est un tuyau qui démarre bien. On continue. Ok, elle en papier, ça se transforme en gold. Là, on est parti sur une série de gold, je le sens. Masca, c'est du gold. Allez, on voit du gold, des pièces d'or, des pièces d'or. Je regarderai là, à la fin de ce tuyau à combien j'en suis en gold, mais ça doit monter vite. Hein. Je vais largement dépasser encore une fois les 400 000 gold. Et je vais pouvoir me régaler tous les jours, c'est mon quotidien, dans la boutique, acheter mes tickets presto, mes tickets d'aile, d'amélioration d'aile, de cartes, de perso, etc. Les tickets aussi à boîte, vous savez, les petits tickets qu'on utilise pendant les courses pour avoir des boîtes supplémentaires, des tirages de boîtes supplémentaires. En tout cas, là, c'était full gold et Luigi. Ok. Et donc j'en suis à 379 775 pièces d'or. Et là on est parti sur une série. On est parti sur un tuyau vert. Mais je le voulais tellement doré, mais c'est pas possible. Le jeu ne me respecte plus là. Début de pack opening monstrueux. Et là c'est en train de s'aplatir. Mais je vais rien lâcher. Restez jusqu'au bout de la vidéo. Je suis sûr que j'aurai encore des ultra rares dans ce pack opening. Et beaucoup de pièces d'or, ça on est d'accord. Et là, on est parti sur un full pièce d'or. Oh là là, le loco tonneau, il me rapporte 1000 pièces d'or. Ok. Des pièces d'or, des pièces d'or, des pièces d'or. Encore des pièces d'or. Oh là 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 là. Allez, une petite surprise, s'il te plaît. Ok, le parapente de BFA, on continue. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Oh, c'est Luigi, ça fait plaisir. Il passe 1 sur 3, il se rapproche du niveau 4. Bon. Il me sauve un petit peu ce tuyau-là et cette série de 10 tirs. On continue. Oh, allez, s'il te plaît, doré, doré. Oh, mais non, il est vert, mais qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que j'ai pris un petit peu trop de haut ce pack opening en frimant en début de pack opening, en parlant des... J'ai quand même commencé ce pack opening par 3 tuyaux dorés, les amis. Et j'ai un petit peu charrié le jeu, etc. Et... Oh, l'étoile! Mais qu'est-ce que c'est de ça? Une étoile dans un tuyau vert, les amis? Oh, c'est la... Tristesse. C'est la tristesse totale, les amis. Oh, la surprise de récupérer un perso ultra rare dans un tuyau vert qui se transforme en gold. C'est la PLS. Oh mon Dieu, cette fois c'est certain. Je vais finir avec Happy Lui, on l'a maxé tout à l'heure. Oh là là, oh là là. Ah, ça fait mal à la tête. Hein. Oh là là, j'ai mal à la tête, les amis. Pidgeot qui se transforme en 6000 pièces d'or. Mais non, c'est tellement dur à obtenir les ultra rares dans le jeu. Ok, ben c'est des pièces d'or et des pièces d'or. Regardez-moi. Oh non, le full pièce d'or avec un 6000 pièces d'or qui fait vraiment mal à la tête, quoi. Aïe, 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 aïe. Ah, il est doré. C'est le retour des tuyaux dorés. J'espère qu'on va se refaire une petite série. 3 tuyaux dorés d'affilée, ça veut dire 30 tirs.
En tout cas, celui-là, il est bien doré. Et qu'est-ce qu'il nous réserve? Oh, allez, une bonne surprise, s'il te plaît. Ok, Morton. Le petit Larry. Caravelos, on continue. Ok, du gold. Et quoi? Oh! Mascasse pâtissier. J'annonce, c'est mascasse pâtissier obligatoire. Et oui, magnifique. Oh mon dieu, il passe niveau 3. Ça fait plaisir parce que je vais pouvoir battre tous mes records sur les courses où il est proposé à 3 objets, vous savez, tout en haut du listing des persos. Oh, le mascasse pâtissier qui passe niveau 3, c'est la régalade. Ok, maintenant on va continuer, on va enchaîner sur du gold, hein, bien sûr, il faut pas rêver. Hein. Oh non, le petit roi bou là qui arrive comme ça et qui passe niveau 5. Oh, cette série d'IQO est magnifique. Hein. Je peux guère espérer mieux, c'est un 10 sur 10, hein, les amis. Hein. Ok, Koopa, dites-moi, est-ce que vous êtes hype par l'arrivée du multijoueur? Oh, moi, je l'attends tellement, j'ai tellement envie de lancer des lives où on peut jouer, on pourra jouer tous ensemble en multijoueur. Oh, mon, ça va être exceptionnel. Une bonne... je pense que c'est une bonne occasion pour vous de vous motiver, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche, parce que les lives multijoueurs qu'on va faire sur la chaîne, ils vont être exceptionnels. Allez, on continue. Un petit rosette de tuyau. Oh, le tuyau vert, mais pourquoi tu me fais ça? Est-ce que vous avez compris tous le système des rosettes de tuyaux? Vous savez qu'en fait, on peut avoir qu'un mascasse pâtissier par tuyau. Donc si c'est votre but de l'obtenir, il faut faire un rosette une fois que vous l'avez obtenu. Vous ne pourrez pas l'obtenir deux fois dans le même tuyau, dans les 100 tirs. Donc il vaut mieux faire un rosette si vous voulez une deuxième fois. Et dans l'idéal, hein, c'est que dès vos premiers tirs, vous obteniez mascasse pâtissier. Comme ça, un petit rosette et vous avez, vous repartez à zéro pour rechoper directement le mascasse pâtissier et le monter comme ça en niveau plus facilement. Oh, hein, oh la tristesse, mais non. Mais pas 40 fois, mais pas 40 fois dans le même pack opening. Oh mon dieu, la carte ultra rare qui se transforme en pièce d'or, ça devrait être interdit, ça! Oh là 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 là, je suis dégoûté, les amis. Mais non, tu me fais pas ça, là! Vous savez, je vous fais le pack opening maintenant, ce matin. Oh mon dieu, la tristesse. Pas deux fois! Et ne me parlez pas du dicton, j'ai mes 203. Oh, le petit Todd Stand! Ah, ça, ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai rarement, lui, hein. Il est que niveau 2, 1 sur 2. Et là, qui tue? Qui est Max? Eh ben voilà! Histoire de me remonter le moral après ce que je viens de vivre. Hein. Oh. Vraiment, obtenir des cartes ultra rares. Quand je dis cartes, je parle des persos, des cartes et des ailes ultra rares qu'on a déjà maxé, qui se transforment en gold. Mais qu'est-ce que c'est de ça? Le parapente banane? Mais mon dieu, je savais même pas qu'il existait! Oh. La surprise! Mais qu'est-ce que c'est de ça, les amis? Je savais même pas qu'il était dans le jeu, ce parapente de banane. Et il débarque comme ça, il s'incruste dans le pack opening. Et il est la bienvenue. Hein. Bonne petite surprise aussi. Et eh ben écoutez, belle série. Oh, j'ai cru que c'était... Oh non, j'ai cru... J'ai vraiment cru, vous savez, que la couleur jaune derrière, que c'était... le loco tonneau doré, quoi. Et pas le loco tonneau simple. Ok, ben écoutez, c'était une belle série de 10 tirs. Hein. Avec une belle surprise, parce que j'ai découvert un objet que je ne connaissais pas dans le jeu. Allez, on continue ce pack opening. Oh non, mais non, mais non. De toute façon, j'arrête pas, les amis, tant que j'aurai pas eu un nouveau tuyau doré. Hein. Ok, Ectoblast 4000, ça fait plaisir, ça... Je suis réconforté. Ectoblast, tu m'as réconforté, clairement. Ok, de l'or. Et toujours de l'or. Ceci est un pack opening Mario Kart Tour. Ok, Roy, c'est 400 pièces d'or, on le sait. Oh, je connais tous les chiffres par cœur de tous les objets. Oh, le bolide qui apparaît et qui passe niveau 3 en plus. Et ben voilà qui fait plaisir et qui aussi me remonte le moral. Surtout que je vous le dis, hein, ça c'est un carte que j'adore. Par exemple, le Koopa mobile, j'ai même pas envie de le jouer, quoi. Je joue que quand on me force.
Oh, puis le parapente de banane que j'ai découvert, je savais même pas qu'il existait dans le jeu, j'avais pas fait attention. Eh ben, il passe niveau 2. Eh ben, bienvenue à toi, mon parapente de banane. En plus, il est chouette. Hein. Ok, elle est en papier, ça fait 10 ans que je l'ai maxé. Pareil, le parapente. Oh, mais il y a des objets, j'ai l'impression que je les ai maxés avant que YouTube soit créé, quoi. Tellement j'ai l'impression que c'est vieux. Bon, en tout cas, voilà, c'était une belle série de 10 tirs. On continue. Il reste encore 70. Oh, le tuyau doré, il est là. Oh mon Dieu, s'il te plaît, envoie-moi du mascasse pâtissier. Qu'est-ce que j'aimerais sinon ? De la pitch vacancière. Ce serait une bonne surprise, pitch vacancière. Mais surtout du mascasse pâtissier. Pourquoi pas un carte-carotte ou une aile tricolore, hein ? Je suis pas contre, hein, mais vraiment. De toute façon, on le verra hein, quand l'ultra rare apparaîtra. Si elle est étoile, c'est un perso. Et si c'est un perso, c'est mascasse pâtissier. Ok, bébé Luigi, qui est quand même à... qui se rapproche de son niveau 6. Hein. Des pièces d'or, des pièces d'or, des pièces d'or, des pièces d'or. Oh là là, tellement de pièces d'or. Mais non, mais tu, il va, le jeu, il me sort carrément mon ultra rare en dernière carte. Oh, il y a une étoile, c'est mascasse pâtissier. Mais oui, mais oui. Mascasse pâtissier, les amis, qui est niveau 3 toujours, mais qui se rapproche grandement du niveau 4. Ah, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Des petites pièces d'or vite fait comme ça. J'ai un peu misclic mon coup, mais c'est pas grave. Eh bien, écoutez, ce tuyau était magnifique. Hein, un joli tuyau doré. Allez, on va aller vérifier les pourcentages, mais je pense que je vais réinitialiser ce tuyau. On va regarder les taux d'apparition. Ok, ouais, ça part sur un reset. Un reset du tuyau. Regardez, il reste encore 60 tirs, mais je viens d'obtenir mascasse. Mascasse pâtissier. Allez, on repart sur un nouveau tuyau. On repart sur 10 tirs. C'est parti. Du mascasse, du masque. Oh, oh mon Dieu, direct doré. Non, mais globalement, c'est un des plus beaux pack opening Mario Kart que j'ai pu faire depuis la création de ce jeu, depuis l'arrivée de ce jeu Mario Kart Tour. Incroyable pourcentage de tuyaux dorés que j'ai eu dans ce pack opening par rapport à d'habitude. Ok, c'est des pièces d'or, des pièces d'or, des pièces d'or, des pièces d'or. J'attends la belle surprise là. Qu'est-ce que ça va être? Si c'est un mascasse, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Oh non! Oh les amis, sur l'échelle de la tristesse qui va de 0 à 10, 10 étant la tristesse maximum, je suis à 15 à cet instant. Oh, c'est pas possible. Troisième ultra rare qui se transforme en gold dans ce pack opening. Oh, c'est incroyable, hein, ces pack opening de jeux de type gacha. Oh, mais oh, il y a la surprise derrière, mais qu'est-ce que c'est? Mais non. Mais c'est un pur délire, les amis. C'est incroyable. Après, j'étais dans une solitude totale juste avant, il y a 2 secondes. Et là, la surprise, Nintendo, il dit, oh putain, il va se barrer. Oh mon Dieu, il va arrêter de jouer à Mario Kart Tour. Non, 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 Romain, il se barre pas. Pam, il m'envoie direct mascasse pâtissier. Les pack opening des jeux gacha sont juste exceptionnels, les amis. C'est un régal. Hein. Il y a tellement plus de surprises que dans les pack opening d'autres jeux que vous avez l'habitude de me voir pack opener. Oh, énormissime. Oh mon Dieu, ce retournement de situation. Je passe des 5000 gold pour une ultra rare que j'avais déjà à mascasse pâtissier en première série de 10 tirs. Incroyable. On va regarder un petit peu l'état de mes persos, les amis. Je pense que vous pouvez envoyer une frénésie monstrueuse de pouces bleus pour ce pack opening. Donc voilà un peu, je sais que ça vous intéresse de voir un peu où en sont mes persos. Vous voyez qu'ils ont plutôt la forme, hein. Ils sont plutôt nivelés. Vers le haut, hein. Ils ont des bons niveaux. Et vous avez vu, hein, je l'ai pensé, ma pitch vacancière. Hein. Elle est à 800, elle est max niveau 6, elle est max de max dans tous les sens, quoi. Elle déborde de maxitude. Et là, donc, on découvre les cartes. Voilà, donc, vous voyez bien, tous mes cartes ultra rares sont plutôt pas mal. Il y en a que je joue pas souvent. C'est vrai que l'Okotono doré niveau 1, j'ose pas trop le jouer quoi pour le moment. Hein. J'ai d'autres cartes à jouer en règle générale. Mais en tout cas, il est magnifique. Je devrais vous faire une vidéo sur l'Okotono doré. Et voilà les ailes maintenant. Ok, pas de... Si, à la rigueur, l'aile tricolore qui est que niveau 2,
mais sinon toutes les autres ailes, elles sont largement jouables. Je préfère une aile ultra rare niveau 3 à une autre aile de rareté inférieure niveau 6, hein, clairement. Là, j'en suis à 838 000 points, vous avez vu les amis, au total. Sur la coupe actuelle, je suis à 47 035, je vais aller vite chercher les 55 000. Les amis, j'espère que vous avez kiffé ce pack opening, que vous avez apprécié ce pack opening. Si c'est le cas, eh ben vous savez quoi faire. Frénésie de pouce bleu. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et mettez la petite cloche. Et dites-moi en commentaire si oui ou non, ce soir, live pack opening. La bise à tous! Abonnez-vous les amis, c'est le moment des Gertrude Bisous pour tous.